はい、どうも、わさびちびのあまじりです。で、本日の動画はとても特別な動画になりますが、なんとベベちゃんのオレちゃんと一緒にコラボ動画になっております。イエーイ。で、一応コラボ動画は2つ用意しておりますが、もう1つは別日になりますので、ぜひ最後までご覧いただいてお楽しみにしていただければと思います。ベベちゃんのことは知らない方がいると思うんですけど、その方は YouTube チャンネルやっておりまして、フランスと日本の文化についても一応紹介している方になっております。で、本日の動画のテーマとしてはですね、なぜベベちゃんは日本から離れない、あとはなぜフランスに戻れない、まあ、その理由について今日聞こうと思ってるんですけど、ぜひ最後まで見てください。では行ってきましょう。Donc, merci d'être là aujourd'hui, même si c'est par caméra, on va dire. Ouais, bah avec plaisir. Écoute, hein, on a failli se voir en France, mais on a un peu raté le truc, mais une prochaine fois. Puis quand tu viens au Japon, tu viens, on fait une vidéo ensemble en vrai. Donc déjà, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ta chaîne ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Aurélien, je suis français, j'ai 32 ans, je crois. Oui, c'est ça. J'ai 32 ans et ça fait à peu près 5 ans que j'habite au Japon. Et ça va faire bientôt un an, même pas encore bientôt un an, que j'ai une chaîne en fait sur, en tant que moi français qui expérience la vie au Japon et un petit peu voilà, qui montre les difficultés ou même les différences entre les cultures ou ce que j'aime du Japon, parce que je suis un peu passionné du Japon, de la langue, de la culture aussi. Et donc c'est un peu tout ce partage-là en fait, et c'est vrai que ça marche bien pour l'instant, je suis assez content. Voilà, quoi. Et autrement, bien sûr, mon vrai travail entre guillemets, c'est je fais de la musique, je suis compositeur. Mais on a un peu une chaîne similaire, donc c'est vrai que moi je le fais à partir de la France, à partir du Japon. Exactement. Alors du coup, j'aimerais que tu me dises en fait pourquoi tu as aimé le Japon. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait aimer le Japon de base D'accord, depuis que je suis petit, c'est ça? Bah moi j'ai commencé à connaître le Japon grâce à la pop culture, c'est-à-dire surtout les mangas et les animés, et ensuite la musique, c'est-à-dire le visual kei pour moi à la base. Et c'est un truc que je sais qui est intéressant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont pas trop fans des étrangers qui aiment le Japon par rapport aux mangas, aux animés, parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu réducteur. Et ce que je peux comprendre, mais parce que le Japon c'est pas que ça, mais c'est vraiment une porte d'entrée pour la plupart des Français, des étrangers, c'est d'abord par les animés, par les mangas, et ensuite t'intéresses petit à petit plus à la culture. Et donc moi aussi c'était comme ça, et comme quoi faut pas sous-estimer ça. Mais c'est vrai que moi à la base voilà, ça a été les mangas, les animés, puis ensuite un petit peu apprendre la langue, puis ensuite la culture, je me suis intéressé. Et en fait surtout je suis venu au Japon après parce que j'ai eu une opportunité par rapport au travail en fait en tant que musicien. D'accord, donc en fait c'est pas t'as pas choisi d'aller vivre au Japon, tiens allez je vais au Japon, je sais pas trop ce que je vais faire là-bas mais je vais y aller, t'as vraiment eu une opportunité. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que ouais, c'est vrai que j'avais une passion un petit peu pour le Japon depuis toujours, mais jamais je m'étais dit je vais aller vivre là-bas. Puis en fait en étant en France, je me suis mis à travailler avec le Japon, c'est-à-dire que je faisais de la musique pour des idoles japonaises. Et je me suis dit, est-ce que là c'est pas le bon moment pour tenter d'aller vivre au Japon? Ça fait que d'une certaine manière en même temps, je vivais un peu mon rêve de vouloir y aller un jour. Et en même temps, moi, ça me permettait aussi de professionnellement d'avancer un peu dans mon taf, c'est-à-dire pouvoir être sur place, de pouvoir voir un peu même ce que ça faisait en fait, parce que je faisais des chansons pour des idoles japonaises qui marchaient très très bien. Sauf qu'en France, c'était pas connu, mais moi, je les connaissais pas. Du coup, j'arrivais pas à ressentir à quel point ce que je faisais c'était impactant, c'était bien, c'était populaire, tu vois. Et je me suis dit, en fait, si je vais au Japon, je vais pouvoir un peu vivre cette chose-là. Et donc c'était vraiment les deux en même temps quoi, c'était en même temps professionnel, en même temps le Japon, quelque chose que j'aimais toute ma vie, et du coup les étoiles se sont alignées un petit peu à ce moment-là, et donc j'y suis allé, et bon c'était le bon choix. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, justement, comme ça fait 5 ans que tu vis au Japon, quels sont les points sur lesquels en fait tu pourrais pas te passer, et que du coup ça fait que tu pourrais pas retourner vivre en France, qu'il faut que tu sois au Japon en fait. C'est une question hein, qui est tellement large, parce que c'est vrai enfin si tu veux on peut faire une vidéo de 3 heures quoi, j'ai tellement de choses à dire quoi. Mais c'est vrai que j'ai d'abord le premier point qui est un peu autour de la question, mais en fait ça fait 5 ans que j'y vis, ça fait 5 ans que je construis ma vie déjà au Japon. Et donc que ce soit professionnellement, que ce soit ce que j'ai construit avec la chaîne, que ce soit ma femme, que ce soit mes amis,
Maintenant, c'est vrai que toute ma vie est au Japon. Donc là, ça, c'est un premier point qui fait que bah, je ne pourrais pas rentrer en France, ça serait très difficile parce que j'ai construit quelque chose maintenant au Japon qui est très spécial pour moi, mais qui est aussi quelque chose que je peux retrouver nulle part ailleurs. Par rapport à ça, je ne pourrais pas rentrer, en France, quoi. Mais une deuxième chose, c'est vrai que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne où j'expliquais à quel point j'ai eu un peu un reverse culture shock en fait en rentrant en France. Et donc, je pense que l'une des raisons aussi pourquoi ce serait difficile, c'est que petit à petit, je m'habitue à toutes ces petites choses, à toutes ces petits protocoles, à toute la sensibilité japonaise, je pense, sur un peu les règles sociales, sur comment tu agis en société, qu'est-ce que tu peux attendre d'une autre personne, et toutes ces choses-là, en fait, qui sont assez fines et que je ne voyais pas. Et quand je suis rentré en France, ils m'ont un peu mis une claque, en fait, ce respect, que ce soit de l'espace physique, tu sais, privé. Quand moi, je suis rentré en France, c'est vrai que la bise, c'est quelque chose... C'est spécial, hein, on se rend pas compte quand on est français et qu'on a ça toute notre vie, mais d'un coup, faire la bise à des inconnus, c'est un truc, pourquoi on fait ça? Est-ce que si j'ai pas envie, ouais, tu vois? Et c'est intéressant, et il y a ça, il y a... en fait, le respect de la vie privée, par exemple, c'est vrai qu'au Japon, il y a vachement de respect sur ça. En fait, le respect en général, un peu de tout, qui est agréable, en fait, au Japon, et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup maintenant dans ma vie et qui est difficile si je rentre en France. Mais c'est vrai que, bon, après, moi, il y a Tokyo, ça fait 5 ans que j'y suis, et j'ai pas envie d'aller habiter ailleurs encore, et j'ai l'impression d'avoir encore rien découvert de Tokyo. Et c'est une ville qui est plein de potentiel, qui est plein de magie pour moi un petit peu, parce qu'il y a vraiment ce mélange entre modernité et tradition. Tu peux aller dans n'importe quel quartier, ça va toujours être nouveau en fait. Et je découvre tout le temps des endroits, que ce soit... que ce soit des petits parcs ou des petites rues, moi, qui me touchent beaucoup. Tu sais, c'est très pittoresque, c'est très beau, c'est très... poétique en fait, toutes ces rues que je vois un peu avec les... Moi c'est toujours pareil, je parle de mes fils électriques parce que ça me parle beaucoup, j'adore ça, je trouve ça beau. Il y a une poésie là-dedans, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'en France on en a pas en plus. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est vrai que Tokyo c'est un endroit qui me plaît, que ce soit autant pour les paysages que pour même les... le monde que tu rencontres, par exemple c'est très éclectique, tu rencontres des gens de toutes les nationalités, tu rencontres... Tu peux tout faire en fait à Tokyo, même d'un point de vue de la nourriture, tu peux manger de la nourriture de n'importe quel pays et toujours de la très bonne qualité. Enfin, c'est tellement fou d'habiter dans une capitale comme ça qui est immense, qui bouge énormément. C'est excitant, c'est de l'aventure un petit peu, et c'est quelque chose quand moi je retourne. Alors il y a Paris évidemment, mais pas Paris, moi c'est pas mon truc, tu vois, ça me plaît pas comme ça. Mais quand je retourne à Nice par exemple, c'est vrai que ça fait presque petit village, quoi, alors que c'est la cinquième plus grande ville de France. Plus concrètement, on va dire. Ouais. On va faire par thème. Par exemple, quel type de nourriture, en fait, qu'il n'y a pas en France, tu ne pourrais pas te passer? Je dis n'importe quoi, ça peut être les gyudon ou tendon, n'importe quoi, en fait. Quelle est ta nourriture où tu peux pas vivre sans, on va dire? Alors, c'est intéressant, parce que j'avoue que la nourriture, même si j'adore la nourriture japonaise, c'est pas la chose qui ferait que je pourrais pas rentrer en France. En fait, j'adore la nourriture japonaise, j'adore aussi la nourriture française. Et quand je suis en France, la nourriture japonaise me manque pas. Et quand je suis au Japon, la nourriture française me manque pas. Je pense qu'on a la chance, les deux pays, d'avoir une culture culinaire qui est exceptionnelle. Je dirais par contre, la culture de la nourriture au Japon, j'aime beaucoup. Par exemple, les izakaya, ça c'est quelque chose que ça me manquerait énormément, par exemple. Parce qu'il y a cette culture de... C'est fun en fait, c'est pas forcément un restaurant où ça coûte cher et tu sais, il faut être un peu classe et tout, tu vois. Au Japon, les izakaya, c'est très très convivial, c'est très sympa, et puis c'est ouvert toute la nuit, et puis tu manges, tu bois, et ça c'est une culture que j'adore. Tu peux même y aller tout seul, c'est un truc qui est un peu plus difficile je pense en France. Donc cette culture de la nourriture, j'aime beaucoup au Japon. Donc par exemple, autre que la nourriture, par exemple, quel service au Japon tu ne pourrais pas te passer? Je dis souvent en fait qu'au Japon, quand tu es client, c'est le meilleur pays du monde en fait. C'est-à-dire que quand tu as accès aux services, c'est-à-dire que les combini, évidemment, même si je ne veux pas faire l'apologie des combini, parce que je pense que c'est aussi un système qui est difficile, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est des conditions de travail des fois qui ne sont pas faciles, mais c'est vrai que c'est quelque chose en tant que client, c'est merveilleux quoi. Mais même que ce soit dans tout, dans l'administration, dans les supermarchés, dès que tu es client, les gens ils sont adorables avec toi, ils sont gentils, ils sont patients, ils vont faire le maximum pour que tu sois bien, pour que tout se passe bien, pour que tu trouves ce que tu cherches. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui est très dur quand tu... Ah, parce que à l'inverse, tu vas en France, mais là, c'est complètement l'inverse, quoi. Tu vas au supermarché, tu demandes où est-ce que je peux trouver des pommes, le mec, tu sens que tu l'énerves,
il va souffler, genre ouais, oh, c'est là-bas, tu vois. Et c'est malaisant, mais à la fois, c'est pareil, dans le revers, ça fait que bah, travailler en France, c'est aussi c'est moins difficile, tu peux être un peu plus toi-même, t'as moins à faire semblant que tout va bien tout le temps, donc c'est toujours pareil, l'équilibre est difficile à trouver. Je trouve que la France et le Japon, pour beaucoup de choses, sont très proches, mais pour beaucoup de choses, sont aussi vraiment l'inverse. Ouais, vrai. Les deux opposés, mais en tout cas, ouais, voilà, les services au Japon, c'est, être client au Japon, c'est le best, quoi. Ça, ouais, ça me manquerait dans l'administration, comment les gens ils sont gentils, la gentillesse, la bienveillance des gens en fait, en général. Mm. Que ce soit dans ils sont accueillants, ouais. Et contrairement à ce que je pensais à une époque, moi j'ai cru pendant longtemps que c'était du tatemae et qu'ils étaient gentils parce qu'ils n'avaient pas le choix et que parce que c'était comme ça. Mais avec le temps et surtout grâce à ma femme et comment on a beaucoup parlé de ça et tout, j'ai aussi compris que c'est pas que ça. C'est aussi, ils aiment être bienveillants, ils ont envie d'être gentils, ils ont envie d'être accueillants et ils font pas juste semblant parce qu'ils sont obligés, tu vois. Donc ça aussi c'est quelque chose de très agréable. Donc après, est-ce que t'as des endroits à part Tokyo, au Japon, où en fait vraiment l'ambiance des villes, peut-être de la campagne, fait que en fait c'est quelque chose dont on ne pourrait pas te passer, en fait. Bah, moi j'ai vécu 27 ans en France et là 5 ans au Japon, donc pour moi, même si les campagnes françaises sont aussi belles que les campagnes japonaises, bah, les campagnes japonaises, elles sont nouvelles pour moi. Enfin, et tout est nouveau, en fait. Et j'arrive au Japon et tout est poétique, tout est prenant, en fait. Et ça vient aussi du côté nouveau. Mais c'est vrai que là, les campagnes japonaises, moi, elles me mettent des claques. Enfin, moi, Nikko, c'est un endroit que j'adore aller. C'est aussi, ma femme vient de Utsunomiya. Il y a une sérénité, en fait, dans les campagnes japonaises, ou même que ce soit à Kyoto, ou je suis allé à Aomori aussi, qui est vraiment un endroit où pas beaucoup de gens vont, mais j'y suis allé et c'était vraiment merveilleux. Je sors un peu du sujet pour aller dans un autre truc qui me touche beaucoup aussi, c'est que par exemple, même à Tokyo, moi pendant longtemps j'habitais à Kasai. Donc Kasai c'est vraiment l'extrémité de Tokyo, on n'est pas loin de Chiba, mais ça reste Tokyo. Et alors qu'on est encore en Tokyo, il y a une ambiance de village. C'est un petit quartier, il y a tout dans le quartier, t'as la préfecture, t'as les supermarchés, t'as les izakaya, il y a tout dans ce petit quartier, il y a plein de familles et il y a un côté très, c'est pas du tout un peu Isogashi comme Tokyo, tu vois, c'est très calme et pourtant on est en plein Tokyo et il y a des maisons, il y a des lotissements et des trucs comme ça, et genre il y a une petite ambiance presque de campagne et c'est impressionnant en fait, une ambiance de village alors qu'on est encore en plein Tokyo. Et donc même Tokyo en lui-même, des fois, t'as des quartiers dans Tokyo qui sont pas du tout, qui font pas forcément capitale, quoi, qui font un peu petit village. Et donc ça aussi, c'est vraiment merveilleux. Donc tu peux vraiment trouver de la sérénité partout. Et malgré les séismes qui sont de plus en plus fréquents, on va dire, ça ne t'empêche pas en fait de rester au Japon. Non, c'est vrai que c'est pas du tout un truc qui me, je dirais pas qui me fait peur, mais en tout cas, j'y pense pas, quoi. Quand ça viendra, bah on verra comment on s'en sort. Après, peut-être que j'y penserai plus si un jour j'achète une maison ou si j'ai vraiment ma propriété, où là d'un coup ça devient un risque. Mais c'est vrai que j'ai aussi par exemple beaucoup confiance aux infrastructures japonaises. Enfin, j'ai vachement confiance sur les décisions qu'ils prennent pour protéger les habitants et les séismes. Enfin, s'il y a un endroit où il faut être pour être protégé des séismes, c'est au Japon, parce que justement ils construisent quand même beaucoup de choses. Ils font en sorte que tu t'en sors s'il y a des séismes, quoi. Après voilà, j'ai pas vécu les gros séismes, peut-être que ça changerait. Si un jour on vit un séisme de 9 ou un truc comme ça, peut-être que ça changera ma vision, mais c'est vrai que pour l'instant, pas tant que ça. Dernière question, quel serait le point par rapport à la France où en fait, limite, ça pourrait être ça qui pourrait te faire rentrer? Il y a plusieurs choses. Je dirais déjà la langue, parce que c'est vrai que moi je parle pas assez bien japonais et c'est très dur de mieux parler japonais alors que j'ai une femme avec qui on parle anglais tout le temps et que je travaille pas avec des japonais. Je travaille dans ma chambre, alors je fais des meetings, mais il y a un traducteur qui va être là pour m'aider, donc je suis pas en face du japonais en fait, et ça m'énerve. En fait, je m'en veux de pas apprendre plus le japonais. J'espère qu'un jour je parlerai mieux, mais c'est vrai que quand tu rentres en France, il y a une facilité pour moi, d'un point de vue de créer ma vie, en fait, d'appeler. Moi, par exemple, là, je suis pas assez fort en japonais, par exemple, pour appeler au téléphone pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Et au quotidien, ça m'énerve, parce que faut que je demande à ma femme, est-ce que tu peux appeler le dentiste? C'est un truc que je déteste, parce que moi, je suis vachement indépendant, donc je suis maître de cette chose-là, quoi. Je le subis pas, ça. Moi, si j'ai besoin d'apprendre plus, faudrait que je le fasse, quoi. Mais je le fais, c'est promis, je vais faire mon maximum. Rien que parce que si, je me dis toujours que si on a des enfants avec Otomi et qu'on vit au Japon, il faudra bien que je parle bien japonais, parce que j'ai pas envie que mes enfants puissent parler à ma femme et que je voulais pas bien comprendre ce qu'ils vont dire. Et autrement aussi, l'éducation, c'est un truc où je suis encore un peu flou sur ça.
Est-ce que je préférais qu'il soit à l'école au Japon ou à l'école en France? C'est dur, c'est un truc, c'est faut réfléchir. Enfin, je dis pas que je sais qu'il y en a pas une mieux que l'autre. Je sais que les deux ont des avantages et des inconvénients. Par exemple, au Japon, c'est très très cher et en France, c'est gratuit, ce qui est un inconvénient, qui est un avantage, qui est assez intéressant. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de bullying au Japon, en tout cas ce que j'ai entendu. Alors en plus, si on est, si c'est un enfant qui est half, est-ce que ça sera difficile pour lui, tu vois? Y a plein de choses qui sont difficiles. Et après, c'est la famille, quoi. C'est-à-dire que si on habite au Japon, bah, ma famille, elle est un peu lésée. Et je ne les verrai pas, ils ne verront pas mes enfants. Maintenant, si j'habite en France, ça sera la famille de ma femme qui sera lésée. Donc, c'est plein de questions qui sont difficiles sur le long terme. Maintenant, quand je ne me pose pas ces questions-là, qui sont vachement liées en fait à la famille, à aux enfants, moi, je resterai au Japon. Je suis allé à la fac, j'ai fait 2 ans et j'ai arrêté. Enfin, j'ai aucune étude après le bac. Moi, je me suis directement parti faire mes délires de YouTube, de musique, de machin. Mais donc, du coup, moi, l'école, c'est pas. Tu vois, je suis pas à cheval sur. Il faut absolument avoir des très bonnes notes sur ce truc-là. Mais du coup, au Japon, je serais un peu obligé parce qu'au Japon, tu sens. T'es obligé d'avoir cette culture-là de l'école, d'avoir des bonnes notes, d'aller, tu vois, d'avoir une bonne université, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc. Faut que je réfléchisse. Mais ça, c'est des grandes discussions à avoir avec ma femme aussi. Et c'est des trucs, ça va prendre du temps. Et bah, on verra, mais c'est vrai que c'est pas, ça sera des décisions si je rentre en France qui seront pas vraiment juste par rapport à moi en fait. Oui, c'est pas grave. Moi, je reste au Japon. Donc du coup, bah, ça va être la fin de la vidéo. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à mes visionneurs, on va dire Bah oui, écoutez, merci de regarder cette vidéo où j'apparais. Bah évidemment, moi j'ai toujours des, j'ai toujours envie de remercier les Japonais qui sont tout le temps. Adorable. Je me sens jamais en tant qu'étranger parce que les Japonais me font sentir, enfin, ils me le font jamais sentir, ou alors ils me font jamais sentir d'une manière mauvaise. J'ai toujours, ça fait 5 ans que je suis là, j'ai jamais eu de racisme, j'ai jamais eu le sentiment qu'on m'acceptait pas. Et donc je suis toujours très très reconnaissant en fait de ça, de cet accueil en fait, alors que moi j'arrive de nulle part. Et c'est vrai que les gens, même par rapport à mes vidéos, enfin, j'ai une communauté qui est exceptionnelle, qui est très bienveillante aussi, et j'adore ça. Et autrement, bah, si vous ne connaissez pas ma chaîne, venez, abonnez-vous. On est bien aussi dans ma chaîne, c'est sympa. C'est vrai. Mais à part ça, voilà. Et ben, merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Si vous regardez cette vidéo, j'ai fait une vidéo aussi intérieure avec Amandine. Donc venez sur ma chaîne et regardez aussi la vidéo. Et bah, abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous bien sûr à la chaîne d'Amandine. Et comme ça, abonnez-vous à nos deux chaînes. C'est les deux meilleures chaînes de YouTube. Merci beaucoup. Bah avec plaisir et à bientôt de toute façon. Comme il y aura une deuxième vidéo, je spoile pas, mais il devrait y avoir une deuxième vidéo, donc on se retrouve aussi sur ta chaîne bientôt. C'est ça. Hi, ということで本日はこの動画が終わります。このチャンネルにまだ登録されてなければ、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。あとベベちゃんのチャンネルもぜひ登録してください。とても面白い動画がいっぱいあります。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。